Il était une fois le royaume de Ruth, sur lequel régnaient les dynasties de la canopée. Les oiseaux contrôlaient toutes les clairières, tandis que le petit peuple était réduit à la mendicité. Ils allaient de clairière en clairière au gré de leurs décrets et établissaient leur perchoir au crépuscule. Ils étaient les maîtres incontestés de la forêt. Mais un jour, la marquise de Chat arriva au royaume et fit construire un donjon. Bien décidée à changer les choses, les félins promirent au petit peuple la libération de l'oppresseur et le plein emploi. Ils construisirent toujours plus d'ateliers et de scieries. Ils reprirent les clairières aux oiseaux une à une. Leurs armées étaient plus fortes. Ils avaient le soutien des opprimés. La dynastie de la canopée dut se cacher dans la forêt pour ne pas être exterminée. La marquise de Chat prit le pouvoir sur le royaume de Ruth et très vite remplaça la canopée dans toutes les fonctions du gouvernement. Mais leur promesse n'était qu'une façade. Très vite, le petit peuple fut réduit en esclavage pour que la marquise de Chat puisse industrialiser la forêt et asseoir sa domination. Cependant, l'histoire n'est pas terminée. Pendant que la canopée prépare son retour, la résistance s'organise autour de l'alliance de la forêt. La lutte ne fait que commencer. Vous deux, prenez du bois, on l'amène à la clairière suivante. Allez, allez! Le transport des bûches de clairière en clairière durait depuis des jours. Les chats accéléraient la construction des scieries et des ateliers. La rumeur du retour des oiseaux et la montée de la rébellion les inquiétaient. Allez, posez tout ça ici, là. On fera notre scierie ici. Parfait. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Encore ces affiches de rebelles? Ce jour-là, la décision qui aurait dû être prise depuis longtemps le fut. À ce moment, un nouvel espoir apparut. Cette vie infernale était révolue. Il fallait quitter la marquise des Chats en quête d'une meilleure vie. Par décret, nous devons attaquer cette clairière! Vous pouvez entendre le murmure de la canopée qui planifiait sa reconquête. Je m'engage ce tour-ci à ce que nous recrutions dans des clairières de lapins et à ce que nous recrutions plus que le tour précédent. Ensuite, nous allons nous déplacer et casser la gueule à des lapins afin de construire toujours plus des nids. Réduite à la mendicité par le peuple de la canopée, en esclavage par la marquise de Chat, la pauvre opprimée était libre désormais. Elle décida de prendre parti. Elle choisit alors l'alliance de la forêt. Alors je t'explique. Notre action principale, c'est de coller des affiches pour réunir un maximum de partisans. Et quelqu'un arrache celle qu'on avait collée. Quelle indignation. Recolle-en une là. Il y a quand même du passage ici. Voilà. Exception. Par décret, nous devons traverser cette clairière. Bon, continuons. En plus de coller des affiches, on fabrique aussi des objets de temps en temps. Pour demain, on a autre chose de prévu. Notre objectif, c'est la clairière au renard. On y a collé nos affiches, on va chasser les chats et les oiseaux. Ce soir, nous établirons notre base dans cette clairière pour nos officiers. Finalement, l'Alliance ne valait pas mieux que les autres peuples. Tout n'était que violence et désolation. Cette vie n'était pas tenable.
Peut-être valait-il mieux être seul. Cher peuple de la Canopée, un jour de plus, nous allons recruter des troupes. Puis nous nous déplacerons dans la forêt afin de casser une nouvelle fois la gueule aux lapins. Et enfin, niveau construction, il y a un problème ce tour-ci. On va pas... À mort ! Perdu, désespéré, ne sachant plus où aller ni vers qui se tourner, le vagabond fit alors son entrée. Viens, je vais te montrer quelque chose. Tiens, bois. Vagabond, il n'y en a qu'une. Il va jouer un peu comme s'il jouait à un RPG. Au début du jeu, il va se promener de ruine en ruine et il va ramasser des objets. Des objets qu'il va placer sur son plateau. Puis ensuite, quand les ruines seront vidées, il va aller voir les autres joueurs qui auront crafté des objets et il va aller leur prendre en échange de cartes. Ils ne refuseront jamais, ils ont besoin de ces cartes. Quand il va faire ça, il va développer des... La partie n'est pas terminée. Il faut que tu reviennes dans le jeu. C'est un oiseau jaunassin que voici. Mon Dieu.